L'Internet va sauver le continent africain. Les Africains, depuis très longtemps, ont été vraiment un peuple qui a subi vraiment assez de tortures. Et je pense que ces dirigeants, quand on prend Patrice Lumumba, quand on prend Thomas Sankara, en prenant Kwame Nkrumah, Sékou Touré, sont des personnes qui ont lutté pour la liberté de leur pays, de leur continent, le continent africain. Mais aujourd'hui, on entend certaines personnes parler comme si le panafricanisme naissait aujourd'hui en 2023. Non, ce n'est pas aujourd'hui que le panafricanisme est en train de naître. Depuis longtemps, depuis que le monde a été, les Africains ont voulu prendre leur liberté. Parce qu'ils étaient à un moment donné, et même jusqu'à aujourd'hui, ils sont fatigués de subir les tortures qui viennent d'ailleurs, des ordres qui viennent d'ailleurs. Ils sont vraiment fatigués, ils en ont vraiment marre. Et Internet aujourd'hui joue un rôle très important dans cette prise d'indépendance économique dans les pays africains. Parce qu'aujourd'hui, l'information va tellement vite que je pense que c'est une aubaine, c'est une opportunité vraiment pour les pays africains à saisir, afin de pouvoir se mettre ensemble et défendre leur cause commune. Autrefois, je prends l'exemple au temps de peut-être Thomas Sankara, au temps de M. Kwame Nkrumah, au temps de Patrice Lumumba, c'était des lettres. Rares sont des endroits où il y avait le téléphone. Et en ce moment, il était très difficile de se communiquer, de communiquer entre eux. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'information va en un clic. Vous avez l'information à l'autre bout du monde. Et je pense que c'est une opportunité à laquelle, qui s'offre à l'Afrique, à laquelle l'Afrique doit vraiment profiter énormément. Récemment, il y a une annonce qui a été faite selon laquelle la CEDEAO va aller intervenir de façon militaire au Niger. Et dans les heures qui ont suivi, le Burkina avait l'information, la Guinée avait l'information, le Mali avait l'information, l'Algérie aussi avait l'information. Et ces quatre nations se sont mises ensemble afin de pouvoir réitérer leur soutien au peuple nigérien. Si c'était autrefois, peut-être que même la CEDEAO allait même aller finir de détruire le Niger avant que ces quatre pays-là ne soient informés de la destruction de leurs frères, de leurs pays voisins. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, l'information va très vite. C'est vrai que notre jeunesse aussi qui a perdu ses repères, qui ne sait pas où elle va, utilise ces réseaux sociaux à d'autres fins. Mais je pense que l'Africain conscient doit vraiment sagement utiliser ces réseaux sociaux. Et pour vous faire une petite anecdote, je sais que si le créateur de ces réseaux sociaux, le créateur d'Internet savait que ça allait permettre à l'Africain un jour de se libérer, ce dernier n'oserait jamais un jour de créer ses réseaux sociaux. Donc, Africains, saisissons avec une sagesse aussi à une grande hauteur, saisissons le monde actuel, le monde qui est en train de se renouveler, le monde dans lequel l'Afrique aura son mot à dire, parce que j'ai foi. Et je sais qu'à plusieurs personnes comme moi ont aussi foi à la nouvelle Afrique qui va aussi s'exprimer, qui va aussi assister au Conseil des Nations pour prendre des grandes décisions pour l'avenir de ce monde. Ça, j'ai foi. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais le jour que cela va arriver, tous ceux qui ont combattu pour la liberté de l'Afrique seront contents, seront heureux dans leur tombe. Je fais référence donc à Patrice Lumumba, à Thomas Sankara, à Sékou Touré, à Kwame Nkrumah et à Oumyom Norbert et aux autres que je ne pourrais pas citer dans cette vidéo. Vraiment, le combat de l'Afrique, je pense qu'il appartient aux Africains. Je le disais dans une précédente vidéo dans laquelle je disais que nous ne voulons pas un libérateur, nous voulons des collaborateurs afin que la conscience, l'esprit, l'intelligence, la sagesse de l'Africain
puisse être en mouvement et se manifester. Parce que l'Africain n'a pas besoin de sauveur. Nous avons besoin de nous-mêmes ensemble, tout simplement. Et le combat est gagné. Je fais confiance aux jeunes Africains, à l'Afrique elle-même. Et vraiment, Arc Bilal va vraiment réécrire son histoire en sa faveur. À très bientôt.